Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. On va parler des menus des Canon EOS R et on va regarder un peu les petites fonctions qu'on peut affecter aux touches. Je vous en ai déjà fait quelques-unes. Puis là, on va regarder la fonction ici AF Off. C'est particulièrement simple, ça désactive l'autofocus. Donc, c'est la même chose que le bouton MF que vous pouvez avoir sur votre objectif, si vous en avez un. Ça peut être la même chose que le bouton en face avant que vous pouvez avoir, par exemple, sur le R7. Vous ne l'avez pas sur tous les appareils de la série R, celui-là. Mais vous pouvez aussi l'affecter au bouton iPhone. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est très simple, hein. Vous faites la mise au point, vous entendez. Là, je fais la mise au point, vous voyez mon petit carré qui devient vert. Et si j'appuie sur le bouton AF On, il faut rester appuyé, il ne fait plus la mise au point, tout simplement. Mais je peux déclencher, d'accord? Donc, je peux faire ma mise au point ensuite en manuel et déclencher pour faire une photo floue, hein, pas de souci. Ça fait exactement la même chose que désactiver l'autofocus, soit par le bouton, soit de votre objectif, soit sur la face avant, si vous avez ça sur votre appareil. À quoi ça peut bien servir? Alors, important, si vous êtes évidemment en cerveau, on va y aller, hein. On va se mettre en cerveau. Cerveau, ça va être ici, voilà, je vais me mettre en cerveau. Donc là, il est en train de faire la mise au point, très bien. Si j'appuie sur le bouton, il ne fait plus la mise au point, d'accord? Mais simplement, voilà, donc vous pouvez aussi, en cerveau, ça désactivera la mise au point. On peut partir du principe qu'une personne ait envie de faire la mise au point où elle veut, à un instant T, et donc plutôt que de toucher à son appareil, c'est trouver le bon bouton, ou ainsi de suite, elle l'a directement sur le bouton iPhone, elle peut désactiver l'autofocus. Voilà, pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui, au revoir.